Mardi 26 juin 2018, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le journal sous télévision nationale d'Haïti. Mais grand titre pour Assoya. Travail construction route Kafou Méridien du Sine en département sud reprend. Équipement à technicien CNE mobilisé pour remettre pressé 700 mètres route asphaltée dans le jour Cap Vinilayo. Banque interaméricaine développement présenté mardi 26 juin, bilan sous participation et collaboration dans le programme Caravane Changement, sorti octobre 2017, rivé juin 2018. Représentant président Biden haïtien, Luis Carlo Enchebarria, dit yo satisfait pour collaboration avec Haïti. Ministère environnement en tête collé avec programme Nations Unies pour développement PNUD lancé mardi 26 juin yon atelier information sous accès dans fonds verts pour climat. Commission nationale marché public réalisé jeudi à non Port-au-Prince yon atelier travail pour plusieurs groupes dans administration publique là. Atelier ça a fait dans l'idée pour présenter et puis habituer acteurs qui impliqués dans passation marché sous mesi tout neuf qui prend dans affaires marché public. Organisation internationale pour migration déclarée autorité algérienne yo a déposé plusieurs milliers de migrants dans le désert Sahara pendant dernier mois ça yo. Et puis ancien président général Henri Nanfi mourit jeudi à d'après information proche li confirmée. Général l'a mouri à l'âge 85 ans après une maladie qui l'étape a traversé. Zami téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces titres à eux à pilote information nous pral poté pour vous dans le journal là. Chaque jour dans la vie, vous pour faire un choix. Mais c'est vous qui pour faire choix qui est plus intelligent. Yon choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec une machine agricole qui est plus performante, avec un développement plus route qui peut mener en pile. Objectif Lille Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. Lille Mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que l'on reprend chaque jour dans la vie. Développement société, quel que soit le domaine ou évolué, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur tout appareil à toute machine. L'IPAP jamais la guerre en route et l'ICE partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur dirait plus longtemps. Caoutchouc sin top tête chat ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou a besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublié. Top taise. C'est fun wash, chire route, quoi chiclou. Ah, gonji boule m'bajoué. Vendez-moi 4 caoutchoucs. De quel gros cerf vous voulez? Quoi? Top tire, c'est fun wash, chire route, quoi chiclou. Ma chaîne vient baisser chaleur. Envoyons du bon jusqu'à Pigou.
Jugo, c'est un produit séjourné. Il faut encore saluer et remercier tout le monde qui branchait Téléjournal là, sur Télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui ensemble avec nous. Information yo a démarré pour Asoya, non page météorologique là, ensemble avec collaborateur nous Wilner Polidor qui pral ban nous toute précision sous temps. Bonsoir Wilner. Mardi 26 juin 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour conditions météorologiques là. On a regardé comment la situation est sous bassin Caraïbes là. Malgré une onde tropicale qui supposé traverser le pays d'Haïti jeudi à et en altitude toujours gain creux en altitude là qui trouve lien entre Haïti et Cuba. Mais paramètres météo qui a dominé jeudi, c'est toujours zone de haute pression et qui supportée par yon alizé, une balle de yon alizé, c'est un vent d'est qui modéré à fort sous pays a et vent ça a porté brume de sable sous pays d'Haïti et c'est ça fait une carré tête monio pas trop clair, c'est parce que brume de sable là, les mêmes les obstruer visibilité à sous pays a. Mais il y a toujours possibilité de gagner quelques gouttes là, puis c'est surtout sous tête monio, les nous prend massif du nord. Chaîne de Mathieu avec Mon Nacelle et puis massif de la route qui l'engrenasse, il y a une possibilité pour gagner quelques averses à vie, mais c'est vraiment de faibles averses sous zone ça. Mais pour aujourd'hui, je ne sais pas, c'est zone de haute pression qui toujours abdominé conditions météorologiques là. Ça veut dire qu'il y a un temps qui ensoleillé sous tout le pays avec vent cap vanté au cours de journée là, sous le pays d'Haïti. Il a fait très chaud parce que jeudi là, température a supposé monter jusqu'à 37 degrés et sous département centre qui arrivait jusqu'à 38 degrés. Pour capitale avec zone qui a violé le son capitale qui aussi en bas situation zone de haute pression à côté vent à vent et ensuite nous gain soleil qui a calé gel mais brume de sable aussi a obstrué visibilité a. Mais encore, je ne te dis là, la température a monté jusqu'à 37 degrés sous capitale là. Et puis, voilà, descendre dans le temps, c'est 25 degrés. La fait très chaud sous pays, non seulement au cours de journée, mais même pendant le temps, a fini. La fait très chaud parce que c'est 25 degrés, température a descendre. La mer a non seulement agité sous côte nord, mais côte sud pays d'Haïti, c'est une mer qui est très forte. C'est pour ça que je demande des précautions avec prudence et aussi Gorvio Lagunave, la mer a agité. Capitaine, yo précaution parce que la mer a agité sous toute côte nous yo et faut qu'yo éviter le large. Et pour pas jaso le méclan, sur la couche jeudi à 7h29 minutes et la levé le matin à 6h15 minutes. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité nous avec attention nous. N'a croisé demain pour notre page météorologique. Merci Wilner et puis n'apra poursuivre avec journal pour nous faire connaître Jean Soudil dans Grand Titio. Travail construction route méridien du Cislan reprend après 3 mois, il était fait camper. Équipement et technicien CNEO mobilisé pour remettre pressé 700 mètres route asphaltée dans jour cap venir là yo, yon façon pour commencer à améliorer circulation dans zone ça. Reportage Fallon de Delphin. Pams Jean-Baptiste. Nathan longtemps pour sortir Kafou Méridien pour entrer dans le quartier du 6 en passant sur route Mayor, Béol ou bien Biré, c'était gros tête chargée. Les lapuis tombés, gros problème la boue avec l'eau. Les pagues la pluie, poussière à gros trous, terrain route ça impraticable. Dans l'idée pour améliorer les conditions de la vie dans la zone Sayo, caravane changement établi col depuis juillet année passée dans le département sud là, d'après Foreman général caravane dans sud, Will Kespierre, qui a expliqué qui Jean Travaillot a déroulé. Et puis donc, route ça, la fini quand même. Parce que route la privée 16, il y a 12 km route n'a fait là. Mais une urgence, nous devons rentrer camper, nous devons retourner net là.
Quand il y a là, nous n'avons pas de là. C'est bon, quand il y a fait asphalte. Quand il y a là, où est derrière là, nous avons repris 700 mètres là pour faire un préassure, pour mettre asphalte sur là. Vous avez ça, vous avez préparé pour faire asphalte. Mais quand il y a un bateau, le matériau qui est 31,5. Le matériau de cassage qui passe par gravel, mais c'est le matériau qui est là. Et si vous regardez là, vous pouvez que mes piquettes sont là, tout le monde fait travail, mais où l'homme là, il me garde mes travail devant là. OK? Avec là, nous avons une étape pour mettre 31,5. Étape là, où est-ce que là, avez là, avec que vous avez organisé mes laboratoires, bam feu, pour me faire une préhension, il dit 4. Travail ça qui est actuellement dans le niveau localité Mayor. Pour aller des populations dans la zone ça avec l'autre monde qui a fréquenté la route ça dans l'activité. Population dans la zone ça qui remercie l'autorité. Rete quoi avec le travail construction de la route ça, la commune pour le développer et puis interconnexion avec l'autre commune, tant que Chantal pour le plus facile. Dans la politique générale, Premier ministre, député Chaleur avait été mentionné, Premier ministre, si vous le votez, il faut que la route ça réalise. Et je dis à nous que ça sont. Il n'y a pas de rêve encore, c'est une réalité. Et puis, ça fait nous content encore, où Tati Fonti Campé, député Chalève Goumé, du Bec et des Ongles, il redémarre encore. Ça fait nous content en pile, le fait que nous avons que changement annoncé et la fête à travers le pays, et nous sommes plus contents encore à travers le sud, particulièrement la commune Tobek, qui est une commune qui est riche en ressources, quelles que soient les ressources que tu as voulues. Nous comptons en pile le fait que le gouvernement, le pouvoir exécutif là, avec le pouvoir législatif là, en l'occurrence spécialement le député Chalève, goumé pour route ça réaliser, ça fait nous comptons en pile. Vous me confronter, des fois, les roches dans la ria, les motos à passer, les machines à passer, roches qui en bas à route, si on campe de yon, les voltiger, les péter, des fois, nous sommes gens qui ont élèves à l'école. Machine campère tanni machine non nek font déplacer nek monter machine nan lèche nan tombe non tout élève la tombe puis elle était cassé avait dit route là pas bon avait dit yo dit tout route là la privé BO ba problème pour route là arrivé BO mais nous pas de projet pour route là arrivé Carrefour BO nous avons un projet pour route là arrivé Port Canal kounyan là si route là privé BO me penser les arrivé BO reste route qui pas bon BO a. Faut que tu améliores longtemps pour reste mon yo pas gain problème pour pas mettre chaud dans la ria pour les cas où tu fais même des autres yo t'as fait avant yo parce que marché qui en haut li important pour yo en pile. Moi content que la route ça cap fait là mais que m'daye mes route l'arrivée côté président te dit que pour route l'arrivée à que nous t'arrêt mes arrivé là juste nous même demi si devé si gon l'autre plus gros bagage encore nous t'a content et si nous gain route ça l'emmène nous sommes dit que son plus gros pas président fait pour nous parce que nous avons 57 présidents qui passent lui-même fait 58, que lui-même a un bel encouragement. Que nous avons même pas de sens que lui-même a un bel encouragement comme ça, que nous avons même achevé ensemble avec nous, fini route là ensemble avec nous. En puis demain, s'il a fait l'autre plus gros bagaille pour nous, nous sommes tellement contents. Du 6 c'est un quartier qui est plus important pour la commune Tobek. Construction route ça a permis aux touristes d'entrer et puis à exploiter ce touristique qui gagne dans la zone ça. Parmi eux, faux Platon. Merci, Falanda Ak Pams. Banqueteur américain de développement présenté mardi 26 juin en bilan sous participation à collaboration yo dans Caravane Changement, sorti octobre 2017, rivé juin 2018. Représentant résident Bidlan en Haïti, Luis Cordo Echebarria dit. Yo satisfait pour collaboration yo avec Haïti. Luis Cordo Echebarria fait connait montant qui alloué à Caravane Changement, c'est environ 15 millions de dollars américains pour appuyer plusieurs projets en cours infrastructure, routier, curage rivière et achat équipement. On suit. L'idée c'est en plus et à payer des coûts unitaires qu'on a accordé avec les gouvernements. Et ces coûts unitaires reflètent seulement les coûts variables de l'opération. Ça veut dire qu'on paye pour le combustible, on paye pour les per diem des travailleurs de l'État, on paye pour des matériaux. Mais on ne paye pas pour d'autres choses, on ne paye pas pour des salaires et normalement on ne paye pas aussi pour l'achat des équipements. Et on avait prévu l'année passée, quand on a signé le protocole,
un investissement de 10 millions de dollars. Et à ce moment, les ressources engagées pour la caravane excèdent ce montant. On arrive à 15 millions de dollars engagés pour la caravane. Et il faut dire que 5 millions de dollars, parmi ces 15 millions de dollars, sont dédiés à l'achat des équipements des excavatrices. Et on n'inclut pas ici les financements des 200 maisons dans les zones affectées par les cyclones Matthew qu'on est en train de superviser et, pour les paiements. Ça fera une valeur additionnelle de 1,5 million de dollars. Il faut dire aussi que pour cette année, le protocole qu'on avait signé avec les gouvernements avait une validité d'un an et on va signer un autre protocole. On est en train de discuter maintenant avec les ministères des travaux publics surtout. Et cet nouveau protocole va être basé dans l'expérience de l'année passée et on va pouvoir faire les choses de manière plus efficiente, plus agile, avec une détermination préalable, par exemple des zones d'intervention, avec aussi un détail beaucoup plus précis de ces standards de qualité, des coûts unitaires. Et on pense à signer ce protocole dans les prochaines semaines avec les ministres des travaux publics. Et on a prévu aussi un montant de 10 millions de dollars pour le reste de l'année. Et c'est un montant minimum si on a des travaux qui accomplissent les conditions établies. On peut aller au-dessus de cette montant de 10 millions de dollars comme on l'a fait cette année. Toujours dans le sujet ça, spécialiste secteur transport en Banque interaméricaine de développement, Raphaël Dewes, Soubopal dit BID a travaillé en tête collée à gouvernement pour réaliser projets qui sont nécessaires pour bien-être population haïtienne. On suit précision. En plus des projets, de la philosophie un peu du premier protocole qu'on a signé en juillet dernier, donc l'idée c'est vraiment de participer au remboursement d'une partie des travaux. Donc le protocole définit clairement le mécanisme. Donc on reçoit une liste identifiée des tronçons par le ministère que l'on va valider nous-mêmes, l'équipe de la BID avec le ministère. On identifie les travaux à réaliser, et donc on donne notre accord sur certains tronçons. Ensuite les travaux sont réalisés. Une fois que ceux-ci sont terminés, on reçoit une demande de remboursement et on va vérifier que la qualité est conforme à ce qui est précisé dans le protocole. Donc on est sur le point de signer un deuxième protocole qui au début va concerner les départements du Nord et on a déjà identifié près de 500 km de routes qui sont en cours d'inventaire en ce moment. L'autre information à porter pour nous, dans l'occasion, il y a une conférence spéciale dans le ministère de la Communication. Jeudi mardi 26 juin, ministre Kiltia Communication, Joseph Guilherce Delva, parlait sous différents programmes sociaux. Ministre Guilherce Delva annoncé, il a recommencé avec différents programmes sociaux, tant que Ti Maman Chéri, restaurant communautaire, dans l'idée pour accompagner les gens qui plus pas de moyens. Yo. L'été dans le micro Rachel Saint-Fort, avec Fresnel Toussaint, on suit. Programme Ti Maman Chéri, par exemple, côté nous projeter atteindre 120 000 mamans, m'a dit nous que gagnait plus de 31 700 qui déjà touché et programme actuellement là reprendre particulièrement dans zone plateau central là la planter gagner des équipes qui déjà déployées dans plusieurs zones dans plateau central qui pourrait permettre dans 89 l'école dans 13 communes qui gagnent dans le plateau central pour que distribution plutôt maman yo capable bénéficier de contribution l'état bayo chaque mois. Donc nous voulons assurer tout le monde que le programme n'a lieu prendre mais monde qui gagne des coupons là mais qui pas enregistré dans base de données FAES là yo pap ka paye yo parce que à un certain niveau tu gagnes un certain désordre qui fait et tu as un problème de sécurité justement pour opérateur qui fait que programme n'était obligé faut camper pour te résoudre problème ça problème coupon
qui est distribué alors que pourquoi ça n'a pas enregistré en dans base de données FAES. Mais d'une manière générale, nous connaissons qu'il y a plusieurs composantes dans le programme gouvernement, programme social là, ça va être les courir peuple là. Dans le programme ça, il y a, comme nous connaissons, il y a un panier solidarité là. Côté, nous déjà distribué plus de 800 000 kits alimentaires à travers le pays. Nous gagnons tout pour nous distribuer des kits agricoles, semences et avec plusieurs autres produits et articles pour et outils, par exemple, pour aider les paysans. Et nous voulons distribuer 100 000 kits agricoles by paysans sous deux périodes, c'est-à-dire campagne d'hiver avec campagne printemps, pour permettre que paysans capables de bénéficier de programme ça. Et donc, ça fait 200 000 kits distribués sous deux périodes, ça, campagne d'hiver et campagne printemps, pour permettre aux paysans capables de joindre support l'État pour cultiver la terre. Nous gagnons tout, comme nous connaissons, programme qui adressé à étudiants, côté nos besoins moyens, tout pour nous capables d'aider étudiants capables de bénéficier de support l'État dans le cadre d'activités études. Nous pensons que c'est des bagailles qui sont importantes et que nous voulons courir toute une série de couches dans le pays qui, des fois, ont des difficultés pour être capables de fonctionner dans le secteur paro, comme nous connaissons les étudiants, les gains en pile problème. Alors, il faut me dire que ce n'est pas tout programme qui recommence en même temps. OK? Gagnant qui recommence là, par exemple, pour restaurant communautaire. Je nous connais, côté gagnant, l'objectif là, c'est mettre 700, plus de 700, exactement 775. Restaurant communautaire à travers le pays. Il faut que moi dis nous que dans l'Ouest, par exemple, dans l'Ouest, il y a 117 qui déjà l'ouvrit, dans le département de l'Ouest. Alors, l'un du département de l'Ouest, ça veut dire Port-au-Prince seulement, parce que des gens qui disent l'Ouest, je pensais que c'est Port-au-Prince. Ce n'est pas Port-au-Prince seulement qui est l'Ouest, et dans tout le département de l'Ouest, il y a 117 qui ouvrit. Et dans le département du Nord, il y a 59. Dans le département Nord-Ouest, il y a 42. Il y a 22 dans le département du Nord-Est. Donc, c'est au fur et à mesure le programme n'a continué de déployer pour permettre que la population capable de joindre un souffle. Chapitre éducation a mené nous dans la zone NIP pour nous faire connaître un total 2574 candidats qui ont participé dans l'examen baccalauréat qui démarrait depuis hier lundi, dans tout le pays. Élèves sont repartis dans 25 centres d'examen pour 5 sièges dans le département Sahara. Correspondante nous, Anne Myriam Loiseau depuis Miragouane, a donné plus de détails. C'est 25 juin 2018 là, examen baccalauréat a démarré dans tout le pays. Dans le département NIP, c'est en total 2872 candidats qui ont dû participer à l'examen officiel SAIO. Bachelier SAIO qui est divisé en deux catégories, soit 2253 candidats réguliers, 619 récalés, pour premier jour composé dans philosophie et biologie. Professeur Odel Joseph, directeur départemental NIP Éducation, fait connaître. À part quelques candidats qui sont absents, il n'y a pas enregistré aucun incident. Selon Odel Joseph, première journée, c'est une réussite. Le département nous dit que c'est une journée qui est complètement réussie. Et côté nous rapatrier, par exemple, Copio, et puis tous les délégués, les coordonnateurs du circuit, donc les rapports qui viennent jouer de nous. Donc toute bagarre est passée très bien, donc c'est une journée réussie. N'a fait remarquer 26 juin, élève a proposé dans sciences sociales et chimie. Dans 2872 candidats NIPIO, c'est 2574 qui ont subi épreuve, qui ont déroulé dans 27 examens pour 5 sièges qui sont
Fondeneg, Lazil, Ansavo, Baradère et Miragouane. Anne-Myriam Loiseau, Métropole Miragouane pour TNH. Merci Anne-Myriam. Toujours dans le chapitre éducation, il y a 5000 candidats environ qui n'ont pas joint une fiche pour participer dans l'examen baccalauréat qui démarrait lundi 25 juin. Hein. Ministre éducation nationale et formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor Cadet, fait qu'on a 5 centres spéciaux qui l'ouvrit pour candidats composés provisoirement pendant y a analysé dossier yo yon façon pour ta permettre ti moun sa yo qui valide yo joindre une fiche avant finissement examen sa yo l'a dit nous plus kasao ça me comprendre yo c'est que van corruption que me fait dans ministère qui te fait entre moun qui dans ministère et moun qui dehors ministère notamment qui relait tête directeur l'école van enfermé yo t'a font gens pour piéger nous donc yo traîner avec dossier yo. Au dernier moment, ti moun sont venus pas gen fiche. Lèm rive, moi plusieurs milliers ti moun a manifesté pour proposer et gen des moun tout k'ap régler des affaires politiques yo qui te prend ti moun yo mettant la rue tout pour qu'a vinn dit que l'état faibli, l'état pa ka faire examen pendant que tout bagaille bien planifié. Lèm wè ça, m'te dit m'pa prendre piège ça. Bien que m'te dit m'pa prendre cas spécial, m'obligé faire rapidement, m'prend 5 l'école qui t'est dans entourage lycée des jeunes filles, m'créer 5 centres d'examen, m'dit tout moun allan yo. Nous disons qu'il va composer provisoirement pour analyser le dossier. Donc, c'est 100 environnants qui vont valider tout bon vrai. Et matin, là, qui c'est mardi, ils ont été là hier, puis il faut depuis matin, pas de venir. Les autant de gens nous parlent d'analyser le dossier. Donc, ils ont une tonne de chance. Et il y a l'autre monde qui voit tout pour être capable de montrer que les choses sont mal passées. Mais pas aucun problème. Et dans le niveau examen, dans tout le pays, ça a déroulé très bien. Et nous sommes dans des télé nationales, sur notre chaîne de télévision, dans la radio, tout. Si moun ki vrai élève yo qui t'a parlé qui dit comment ou bien composé qu'a félicité ministère pour qualité texte examen yo qui a la portée yo qui répond à programme yo dans la classe yo qui clair qui précis qui respecte le nombre de temps ou ba pour faire la tout donc c'est seulement hier matin pour début examen c'est chaque année gen problème ça depuis bien avant mais nous même nous te pensé que pour rigueur nous mettre dans bagaille là pas après ça dit ça mais mauvais angle tout partout. Yo débarqué et nous-mêmes, au lieu que nous avons environ 5 000 personnes qui ont pris la rue pour transformer dans leur bagaille, et que nous avons tout pour aller entrer avec eux pour faire des ordres dans le pays, nous-mêmes nous disons tout le monde rentre dans le centre. Et nous disons clairement qu'ils vont composer provisoirement pendant qu'ils composent et analyser le dossier. Tout ce qui nous a repêché là, les fichiers qui ont fait pendant un vent qui nous composé, puis ils ont fichiers dans le même. Nous t'ai parlé de ça dans grand titre tout. Eh bien, ministère environnement en tête collé avec programme Nations Unies pour développement PNUD lancé mardi 26 juin, y ont atelier information sous accès dans fonds verts pour climat. Dans le cadre rencontre ça, responsable ministère environnement yo expliqué représentant différentes institutions qui travaillent dans affaires protection environnement en Haïti. A fait j'effort pour aider Haïti à accès à Fonds Nations Unies, mais était disponible pour aider pays qui a lutté contre le changement climatique. Atelier ça a bout mercredi 27 juin, a occasion pour l'État haïtien continuer sensibiliser secteur privé et public sous nécessité qui gagne pour continuer renforcer programme préparation Haïti joindre accès à Fonds verts pour climat. On suit la précision James Cadès, qui est responsable direction changement climatique dans le ministère environnement. Au niveau du ministère et au niveau du Fonds vert climat, avec appui technique NUD, il y a un programme de préparation d'Haïti à l'accès au Fonds vert pour le climat qui était lancé en décembre 2017. Okay? Là, nous avons une phase côté effectivement. Nous avons bailler en compte au grand public de qui a avancé que nous fait le cadre programme ça et en même temps tout n'a incité tout secteur étatique secteur privé secteur financier n'a incité yo n'a relé yo n'a permettre que yo comprenne le mécanisme financier ça et comment yo ka accéder à fond ça à partir de l'autorité nationale désignée qui c'est une structure que n'a renforcé au niveau du ministère de l'environnement. C'est comment yo ka décaisser,
comment yo ka bénéficier de fonds de subvention et comment yon nan bagay qui est extrêmement important, c'est l'entité nationale accréditée que jusqu'à date depuis fonds existé, nous pourrons jamais entité nationale accréditée. Alors que c'est yon atelier qui chita pour nous informer moun yo, pour nous sensibiliser yo sur la question du climat d'abord et ensuite sur le financement du climat, particulièrement sur le fonds vert sur le climat. L'autre information qu'on a portée pour nous, c'est responsable commission marché national, marché public qui a réalisé dans Port-au-Prince un atelier travail mardi 26 juin pour plusieurs groupes dans l'administration publique. Coordonnateur CNMP, Florian Jean-Marie, déclaré atelier s'il a fait dans l'idée pour présenter et puis habituer acteurs qui impliqués dans passation pardon marché sous mesi tout neuf qui prend dans affaire marché public. Florian Jean-Marie t'a répondu une question en 6 mars avec le Ward Ali Jean-Jacques en suivant bout. Document ça yo puisque CNMP t'a préparé yo et yo concerné toute chaîne passation CNMP lui-même l'a organisé un ensemble de formations pour tout acteur ça yo. Pour prendre connaissance des documents, pour comprendre comment vous utilisez les documents, de manière à ce que tout marché qui en dessous de l'intervention CNMPO soit capable d'avoir un guide pour le dossier préparé et pour passer le marché. Parce qu'avant, puisqu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de document pour le préparer, il n'y a qu'à présenter n'importe quel, il ne peut pas le voir, il n'y a pas d'avoir dans la CNMP, commission spécialisée ou bien commission ministérielle, il est capable de faire selon des formulaires que vous même préparé parce qu'il n'y a pas de document pour lui. Mais quand il y a plus que vous avez une forme, ça permet qu'au contraire, vous allez puis bien, immédiatement que vous avez un marché, c'est rempli à remplir selon les documents que vous pour remplir là, et puis ça permet que vous allez plus vite. Donc, ça n'a pas attendre, c'est que. Et acteurs ça yo yo maîtriser dossier yo comprendre ni et yo mettez li en application et là yo mettez en application ça permet que dossier au mieux préparé marché au mieux passé et la créer un climat de confiance tout entre autorités contractantes yo et fournisseurs de services yo. Et puis connait nous pral parler sous question ajustement prix gaz là ensemble avec économiste Edzer Emile qui quoi li nécessaire pour ajuster prix gaz dans son marché local là. Jean-Loi Finance 2017-2018 là mandé ça. D'après Edier Emile, démarche ça permet l'État compenser déficit budgétaire et puis joindre plus moyens pour mener action. On suive yon bout nos déclarations. Mais regardez effectivement, Jean prix a devine monté là dans zone 68-70 dollars. Li quand même gagne nécessité pour que t'a ajusté li par rapport à prix que t'es fait prix pétrole que t'es fait budget et dernière fois que t'es ajusté donc faut que regarder deux éléments ça donc ça veut dire que regarder budget à qu'on gagne jodi là les recettes pétrolières t'es gagné des prévisions de 14 milliards de gouttes donc ça veut dire que c'est un peu plus que 1 milliard de gouttes par mois en moyenne de recettes pétrolières seulement mais le fait que dans prévision a été fait prévision tout pour que tu ajusté prix après de 3 à 4 fois sur l'année qui pas fait qui pas fait ça veut dire que yo vin un petit gens hypothèse là pas kembe encore là donc par rapport à cohérence budgétaire et par rapport à nécessité qu'on a là qui gagne avec l'argent qui pas suffisant il t'a capable de faire sens pour que les ajuster mais faut que nous négocier faut que garder à qui dimension que capable arriver et qui impact que l'a gagné et effectivement mais aussi est-ce que tu as une meilleure stratégie pour être capable de faire bénéficier à monde qui n'est pas capable de jouer? Parce que encore une fois, lorsque vous faites, lorsque le gaz n'a pas le prix que tu as supposé, tout pour bénéficier. Même monde qui a acheté 10 000 gallons par jour bénéficier. Même genre avec monde qui a monté un cabinet pour 5 gouttes là. Bah, on se comprend. C'est-à-dire que gagner quand même. Même si chaque monde pas bénéficier dans le même niveau. Absolument. Donc, moi, je crois que il faut que la communication qui fait sur lui, et justement. Et il faut que gagner de meilleures discussions qui fait avec syndicats pour que tout le monde retrouve mais en même temps pour que nous divorcions avec pratique gens que n'a géré gaz là tant qu'on sort de on va très ponctuel l'idée me dit aujourd'hui à la comme moi même pas gagne comme monter gaz là comme moi pas gagne comme modifier tarif alors que l'état a doit un bagage institutionnel non cadre global pour que ça c'est domaine gain problème ça aller résoudre lui pour ça ne va pas résoudre lui. Matin mal sous site listing diario moi wè que gon 4 pesos sorti sous galon gazoline Saint-Domingue. Ou ka regarder avant semaine nan fini, yo monton 5 pesos sous li.
Pour qui ça? Parce que y a suivre comment marché a évolué l'autre bois et puis pour que vers ajustement automatique. C'est un exercice normal. Nous pas pour du pétrole. Nous pas pour du pétrole tout. Si prix a monté, faut qu'il monte. Mais s'il descend, faut qu'il descende tout. Et c'est exactement cette transparence qui doit gagner autour de prix a, autour de gestion carburant pour que les capables n'ta capable d'gagner plus confiance qui gagne entre population qui a consommé li et gouvernement qui a fixé. Mais c'est pas parce que tout ici tout bas politique. C'est ça et c'est dommage. Il faut que nous allions vers l'institutionnalisation pour que toute bagaille aille au-delà de la politique pour que nous fonctionnions comme machine. Laisse ça en dehors de monde, en dehors de régime, en dehors de XY président ou premier ministre, toute bagaille roule normal. Et c'est là pour nous vivre. Nous avons tout profité, été ensemble avec député circonscription Grand-Gravelan, Jean-Marcel Luméran, qui souhaitait gouvernement respecter dès que la loi prévoit pour déposer budget. Eh bien, député a mandé gouvernement entendre les actes parlementaires pour permettre budget 2018-2019 l'arrivée votée et puis rentrer en application mois octobre prochain. Jean la loi mandé ça. L'abdi-nous plus. Budget a les grandes phases, un ensemble de procédures qui doit respecter avant présentation budget au Parlement. Et l'avis de la Cour des comptes, c'est un préalable que, qui vient même avant que le dépôt soit officiellement fait au Parlement. Donc malheureusement, dans les analyses et en pile dans la commission financière, pas totalement respecté la procédure, qui fait que il n'y a pas valorisé l'avis de la Cour des comptes en matière de dépôt budget. Donc on attend que le gouvernement vienne justifier à travers documents libres à déposer avec et justification sur le prochain budget, vous le dites, à qui ça a été compensé budgétaire, qui fait le répondre à tous les besoins qui étaient faits pendant l'exercice. N'a enchaîné ensemble avec bureau chambre député qui apparaît pour recevoir premier ministre Jacques-Guy Lafontaine jeudi 28 juin Cap Vinila dans l'idée pour venir répondre à interpellation groupe 16 députés yo t'ai fait mois passé yo. Quelques parlementaires qui t'ont réagi sous dossier interpellation chef gouvernement tant que député circonscription Mol Saint-Nicolas Yves Duprat et Baudelaire Noël-Saint, député circonscription des Dunes, encourager tout collègue pour venir participer dans la séance. Il y a un micro Colo Eliezer et Danius Théodore en suivant. Position sous interpellation, hein? C'est position plusieurs députés qui sont déçus. Okay? Il y a pile de déception dans le temps de la BH. Démarche d'interpellation, ça n'est pas venu. Et parce que nous avons des bagages personnels de besoin de régler avec le Premier ministre. Il est venu parce que nous avons besoin de jouer au rôle nous comme parlementaires. Nous avons plusieurs actions qui entrent dans le cadre du pouvoir de contrôle que nous sommes capables de faire. Nous avons invité les ministres avec le Premier ministre venir là dans le cadre de travail de la commission. Nous avons convoqué dans la séance plénière, mais nous avons interpellé tout. Interpellation ça, après tout le travail que nous faisons dans la séance plénière. C'est consultation entre différents députés qui sont dans différents blocs pour nous dire meilleur moyen, nous capables de chambre députée à exercer dernière étape pour voir contrôler le gain sur le gouvernement. C'est interpellé le Premier ministre. Non? Toujours dans ça qui gagne en ouais avec dossier interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, eh bien, chambre députée en jeudi 18 juin, Cap Vinila. Ministre Kiltia Communication, Joseph Guilherme Delva, expliquait décision s'il a rentré dans prérogative parlementaire. Ministre l'a souhaité décision ça permet plus de stabilité dans le pays. Pendant les invités, chaque citoyen pour travail, pour porter contribution payo, dans sens ça. Lieutenant micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint, en suivant. Parlementaire gagne prérogative, nous respectons prérogative parlementaire. Donc, nous-mêmes, répondre à l'interpellation parlementaire, c'est un bail qui est normal. Mais sauf que nous-mêmes, nous souhaitons gagner plus, comme on a dit, que stabilité que nous sommes capables de continuer. C'est ça. Moi-même, je pense que tout haïtien, c'est ça que tu as souhaité. Ou est-ce que le pays est stable? Les instabilités, ça n'a pas arrangé aucun monde. Même les gens qui peut-être pensent qu'ils ont tiré ou gain politique, dans l'instabilité, sont faux calculs. Ce sont faux calculs.
Parce que si le pays a crasé, ou même le pays a, alors pensez comme si ça dit, et comme si le bateau a coulé, et pour un bateau a, ok, dans le temps de la mer, et pour même a souhaité le couler comme si le bateau a coulé tout même. Comment, il n'a pas fait sens. Et nous avons dit ça dans la radio, il y a des politiciens qui, parce que dans l'opposition, le gouvernement fait un bagage, ou le président prend une décision, ou bien le gouvernement prend une décision, mounan en privé, il dit mon cher, n'est-ce pas une belle décision, si moi ça me tape fait tout. Mais lui-même encore reconnaît, dit ah, mais si mal dit ça, pas bon pour nous, opposition, parce que ça nous va pas prendre pouvoir. Fon dit pas bon, fon combattre lui. Mais si on va être bon pour le pays, on va reconnaître lui. Ou quand même pour tes contributions pour là-dedans, laisse la population lui-même qui a bénéficié, l'associe à succès. Mais là, le chaos, ou les scombrites, je ne sais pas quoi, comme si la Dougan, on va le tirer là-dedans. Moi, je dis que l'interpellation, c'est un bagage qui est normal. Moi, je dis que le ministre a descendu, mais s'il n'a pas descendu, gagné parlementaire qui a des prérogatives, que la Constitution a baillé, nous respecter ça. Et nous respecter parlementaire en pile, et particulièrement majorité, ok, il faut que nous disions ça. Nous remercions la majorité pour tout le support que le gouvernement déjà, non, voter loi. Et que le gouvernement voulait non, appuyer l'action du gouvernement. Nous très très reconnaissants de groupe majorité qui gagne dans la Chambre des députés, qui gagne dans le Sénat, qui a supporté le gouvernement. Donc nous disons continuer à supporter le gouvernement. Moment arrivé pour nous faire place. Une fois encore, bah, comment dites-nous, vous aurez été branché. Nous retournons tout de suite. Chérie. Je travaille dur. Je pense que nous avons acheté Beltikay, ça oui. Beltikay, nous avons l'école, nous avons l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici, nous avons un problème. C'est notre propre retraite là. Pas courir dit ça. On ne peut pas parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir et jouer une plus bonne solution dans la gestion de problème. AIC a un flexi-cash. Il aide à faire économie pour jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous avons une solution pour nous. Décision. C'est non même lié. Est-ce que vous avez un problème de faire ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de faire madame avec toute famille. Faire madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous avons une solution pour tout assurer. AIC, prends une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 0 jours. AIC, c'est moins de problèmes, plus de solutions. AIC à faire. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash. Désirable. Oubliez rêve ou vignes réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre les portes bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies, tant que kyste, fibro, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite, à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Ruyel Mairie numéro 12 ou bien relé dans 37 48 02 et 42 56 51 80. Et puis, visitez-nous sur le site Lantou. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Merci parce que nous toujours été branchés. Journal là pour poursuivre sur Télévision Nationale d'Haïti pour nous faire connaître. Direction départementale l'Ouest, Police Nationale là. Dans la collaboration Accent pour la médecine corps-esprit, organiser une séance formation psychologique pour plusieurs inspecteurs et directeurs départementaux. Responsable DDO PNH, commissaire divisionnaire Berson Soljour,
Explique séance formation ça a permettre policiers yo gérer stress ak problème traumatisme ak toute qualité l'autre problème y a fait face dans cadre travail yo. Yo l'autre côté responsable DDO PNH l'en fait connait plusieurs unités dans PNH l'en a gagné pour bénéficier formation ça. Berson Soljour t'es dans micro Sainte Croix Paki ak Lowor Darly Jean-Jacques. Nous gain heureusement dans pays a on centre, hein, c'est centre pour la médecine du corps esprit, donc qui disponible et qui propose un service. Un service, c'est des bagages, par exemple, séance, c'est des séances gratuites pour capable sensibiliser cardio, sensibiliser collègues et des techniques hein, que nous sommes là de respiration et comment gérer des problèmes que nous capable gagner dans job la police là dans famille nous pour nous capable d'acadi gérer mental la mieux. Donc c'est dans ce sens ça que nous gain séance ça qui organisé jeudi a gain jeudi a gain l'autre cap fait avec les Udmo et le lundi 2 juillet n'a rien pour les boys et les responsables de brigade d'intervention dans commissariat dans zone métropolitaine là. Tout ceci pour nous faire prévention, pour nous éviter. Et nous avons tout contre des barrières, hein, surtout culturellement en Haïti, haïtien, nous parlons de psychologue, puisque à chaque fois qu'on est à psychologue, on a l'impression que c'est pour nous faire que ça fait, alors que c'est des barrières qui pour permettre que nous faire prévention, gestion stress, pour éviter toute maladie. Nous sommes avec la psychologue là à côté que nous avons besoin de stress hein, pour que nous fonctionnions. Alors, il y a un bon stress, il y a un mauvais stress. Mais surtout, nous besoin qu'à gérer des situations qui sont capables d'une problématique pour nous, qui peuvent déboucher sur des maladies, tant que tension, sucre, et j'en passe, et surtout pour que nous évitions que des collègues suscitent des têtes. Nous avons prêté le même sujet ça, ensemble avec la directrice Centre pour la médecine corps-esprit, psychologue Louida Delmont. Qui fait qu'on est, c'est depuis l'année 2012, il y a pas travail avec plusieurs policiers qui ont un problème psychologique, ça qui connaît la cause, gain la dedans qui suicide tête dans la police. Là. Psychologue Louida Delmont fait qu'on est, après poursuivre avec séance formation, ça y est, une façon pour les policiers capables plus efficaces dans le travail. On suit. Formation, c'est sorti dans le Centre pour la médecine du corps esprit, que nous appelons tout Center for Mind Body Medicine, qui utilise une approche communautaire, qui baille des outils de prise en charge, de gestion de soi. Nous, et à travers avec policiers depuis 2011-2012, nous travaillons avec au état-major là déjà, nous travaillons avec des policiers de terrain, et aujourd'hui, nous avons sollicité nous pour nous venir travailler avec l'équipe. Directeur départemental pour eux-mêmes qu'à conscientiser pour comprendre qui ça stresse là et d'ailleurs on a partagé ouais eux-mêmes tout ils ont traversé des événements traumatiques qui marquaient eux et que ils partageaient en pile dans ils partageaient donc programme bon pour eux tout et ils sont capables avec ça aider un policier le ouais des signaux là cali parce que le policier cali même pas connaît signaux que il pas connaît ça lié. D'ailleurs, il boit sa fia, il fume et cigarette, il fait l'autre bagaille juste pour le capable dépasser, mais le capable pas comprendre, pas interpréter les symptômes que il gagne encore là. Donc, le fait que yo même yo arrive interpréter les symptômes, yo arrive identifier là caillo, nous arrive stabiliser aujourd'hui parce que nous faire des exercices avec yo. Yo connaît ça lié, yo parle plus facile, c'est pas un dépistage mais identifier et des policiers identifier symptômes ça yo. Pour y'a plus performance sur le terrain, pour y'a aider des populations. Et ça qui est bien, c'est que y'a en pile motivation sous travail ça. C'est pas que c'est nouveau pour y'a, mais ça apprend à identifier et ça apprend à y'a sentir plus armé pour y'a continuer le travail là, pour y'a faire face à des défis. L'autre information n'a pas été pour nous. C'est lundi 25 juin, un avocat sans frontières lancé dans Port-au-Prince. Il y a un atelier conférence sous une nouvelle stratégie qui relève litige stratégique. Activité SILA qui réunit plusieurs acteurs dans le système justice. Là, d'après Maître Jean-Joseph Exumé, c'est l'occasion pour sensibiliser acteurs sous nécessité et avantage application méthode SAR. Sous Bopal, Gaël Pétillon, Rétécoué, il y a en pile jurisprudence qui a facilité l'application pratique.
en suivre. Je pense que nouvelle stratégie ça de prendre bagaille de façon plus globale ça la porte plus pour système. Et mais parce que ça pourrait le permettre que une plus grande conscientisation, une plus grande sensibilisation faite et puis qui pour permettre que dossier gain plus ampleur, gain plus valeur yo intéressé yo à plus d'espace de du droit. Pour ne pas arrêter de cloisonner ou non, ces petites affaires, qu'on aller ou plaider et puis obtenir une décision. Il y a un bagage que je me dis matin, c'est que il y a des fois où on a une décision qui sortit contre ou pas réussi, il y a une décision en faveur. Mais ça ne veut pas dire que vous faites une défaite pour autant. Parce que la décision doit sortir contre ou, mais suivant les circonstances, suivant les conditions, qui fait que décision rend comme ça, ça doit ouvrir une série de l'autre monde. Et puis, oui, que c'est parce que nous avons lacune dans le texte de loi, c'est parce que nous avons problème au niveau de l'application de loi par tribunaux qui fait décision sorti comme ça. Et ça doit porter une série de monde, société civile, même des juristes, etc., intéressés davantage à changer. Et oui, ça, bagage ça qui fait. Et ouais. Il ne suffit que, en fait, de concevoir un dossier au-delà des parties prenantes d'une affaire et de voir quel est notre objectif, quel est l'objectif de changement qui est visé. Mais oui, je pense qu'il y a déjà des précédents en Haïti, que ce soit l'affaire Duvalier, la décision rendue par la Cour d'appel en 2014 par la Cour d'appel, qui a reconnu que oui, il est possible de poursuivre en Haïti Jean-Claude Duvalier, maintenant les collaborateurs de Jean-Claude Duvalier pour les crimes commis sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. Ce n'est pas seulement la panacée des avocats, donc il y a toute une collaboration avec des médias, avec aussi des organisations de la société civile, donc le plaidoyer nécessaire, l'accompagnement des victimes, donc construire des alliances aussi nécessaires pour faire en sorte que tout au long des procédures judiciaires, le débat ne se réserve pas aux tribunaux, mais aussi la société civile, les victimes s'approprient des enjeux. Journal Labra poursuivre ensemble avec association qui a fait prévention drogue à clotte substance chimique APAC qui commémorait mardi 26 juin journée internationale contre drogue. Conférence débat, témoignage sous conséquences drogue avec alcool dans la société et sous santé moun, c'est quelques activités qui étaient marquées journée ça. Dans l'occasion, responsable réhabilitation dans APAC, Fedia Le Gagneur, fait connaître prévention, c'est le plus bon moyen pour lutter contre le problème de drogue posée dans la société. L'étonnant micro, Marie-Dieudonne Heurteloup avec Hervé Pierre. Aujourd'hui, c'est journée internationale de lutte contre la drogue. Donc, il y a plusieurs aspects dans la lutte contre la drogue. Il y a l'aspect trafic, il y a l'aspect réhabilitation. Et à PAC lui-même en tant qu'institution qui occupait le fait prévention avec cause et réhabilitation, mettait un programme de conférences, débats et de témoignages tout pour capable mettre plus accent sur méfaits drogue, c'est-à-dire au niveau de prévention. Faire connaître tout que l'alcool, toute drogue, c'est une drogue liée et faire connaître méfaits. Conséquences drogue là sur la vie pour capable faire des choix éclairés, c'est-à-dire pas tomber dans piège là. Mais nous manquer au niveau de jeunes yo ou capable et comment on dit pression père là, c'est-à-dire zami a bal pression a dit son bon bagaille, curiosité son bail qui fait l'envie, tu vois. Donc image l'autre projet théorie l'action cool, donc ça fait envie. Donc ce sont des problèmes au niveau de famille, problèmes au niveau de société, problèmes chômage, tout ça c'est des problèmes qui ca mener mon nan à consommer drogue là. On citation qui dit prévenir vaut mieux que guérir, et ça c'est très important parce que effectivement mon nan fait de tech là ou bien fait pour capable high, pour capable relax, pour capable oublier stress li. Oui, ou oublier dans un premier temps, mais après à force qu'on continue à prendre, ou va vin addicté à li et même high ça te ba ou connait pas stress ou li pral rendre anxieux, li pral faire voler parce que drogue là fait moun fait tout bagay, hein. Moun nan vin sans morale, moun nan pas vin pas grand kin comment ça capable dire OK, il perdit toute ligne de conduite li. Donc drogue là ka faire tout bagay, c'est éviter tomber dans piège.
L'autre information apportée pour nous, fête patronale paroisse Saint-Jean-Baptiste, localité d'Opelé, 3e section Belladea, célébrée dimanche 24 juin, en présence plusieurs milliers pèlerins catholiques qui étaient sortis dans plusieurs communes dans le département centre. Dans l'occasion, autorité religieuse et autorité locale région encourager le gouvernement pour créer conditions pour les régions capables de vivre plus bien. Fidner Confident avec Moïse Wilbridge a présenté nous un reportage. C'est sous thème Maman Marie, peuple haïtien, peuple Jean Suspend dit au merci. Fête patronale paroisse Saint-Jean-Baptiste, localité d'Opalais, 3e section communale Aïb, commune Belladé, célébrée dimanche 24 juin. Dans l'occasion, autorité religieuse, autorité locale et notable dans la communauté continuent à faire plaidoyer pour permettre le service de base arriver dans la communauté. C'est une tradition religieuse dans toute paroisse pour que chaque année nous gagnions un événement spirituel. Donc c'était tout par un paroisse de Palais à Nessa. L'électricité a été rétablie grâce encore à bonne volonté élu, particulièrement député Gershon, qui a fait tout ce qui est possible pour nous capables de gagner l'électricité. Le chef d'État, président de la République, là, les, en pile volonté et les mettez main ensemble avec nous. Nous avons un équipement sur le territoire de la Caïpano. Gardez pour un côté machine qui sortit, équipement qui sortit Belader qui fait jeudi, vendredi. Gardez pour un son motocyclette qui a rentré dans la troisième section et au vient travailler là-dedans. Extension que fait Saint-Jean-Baptiste prend à Nissa, c'est pour la première fois nous avons un stage qui fait plus que 8 jours. À bay moun yo plaisir, en plus DJ, en plus artiste local performé, et c'est pour la première fois sa fête dans la communauté de Palais. Député Gershon vient entrer dans l'initiative là, il dit la bay zone dans courant. C'est un bonjour, nous lever, nous garder dans soirée, et puis il débarquer avec EDH. La pluie a tombé, la marqué, comme ça que périté pour tout, côté. Li pran aktivite li di la bay moun yo courant c'est garder au garder EDH ap travay et puis courant arrivé atterri député circonscription Belladé a Gershon Guerra ak député Mirale Abel de Colline promet pour continuer accompagner population nous même nous fait tout ça qui dépend de nous pour que nous te mette touche pas nous nan fête ça et mette touche nan fête là comme autorité comme représentant c'est pas seulement aller l'église rencontrer curé paroissiaux pour nous bailler participation mais faut que nous mettez zone effectivement dans condition pour nous voir que y a fêté nous avec autorité locale faut que nous dire gagne de très bonne collaboration entre nous et magistrats entre nous et monde qui dans cartel azekyo qui permettent que ou comprendre facilement que population ouais effectivement c'est moyen qui bagain qui fait que nous pas arriver sur gens nous même pour arriver sur eux. Fête patronale son tradition c'est un moment de réjouissance mais tout de retrouvailles entre collègues qui dans même département et parfois même dans l'autre département. Donc c'est ça qui expliquait présence à Belle-les-Collines dans Dopalais qui c'est une zone très importante dans la commune Belladé. Et vous n'êtes pas sans savoir, Abel Lécolline, c'est député de Mirebalais, même son personnage politique, à travers les 13 communes et 35 sections communales dans le département du Centre-Lan. Donc à chaque fois que l'occasion ça est présentée, moi toujours fais le devoir, sous invitation des révérends pères, de fidèles, de leaders qui sont dans la communauté. Donc c'est ça qui expliquait présence moins dans Dopalais. Donc moi j'étais content pour me fêter gros fête ça avec les populations. Pèlerins qui étaient sortis, Belladé, Lascarobas, Akmibale, exprimer satisfaction pour façon yodi fête Saint-Jean-Baptiste célébré à Nissa. Yo souhaité année prochaine gain amélioration qui fête dans route là pour gain plus monde qui participer dans fête là. Et puis nous t'ai parlé de ça dans grand titio, ancien président République le général Henri Nanfi mouri mardi 26 juin dans l'âge 85 l'année. D'après ça, Télévision nationale d'Haïti apprend bon côté proche famille des défunts. Général Nanfi, qui fête 2 novembre 1932 dans Cap-Haïtien, tape souffri depuis un bon temps à qui une maladie qui était dans stade avancé.
N'a pas rappelé, Henri Nanfi est président pays d'Haïti sorti 6 février 1986 pour arriver 7 février 1988. Il était commandant en chef force l'armée d'Haïti sorti 1987, arrivé 1988. Télévision nationale d'Haïti a souhaité toutes parents, familles, amis et proches défunts condoléances. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans le journal ça a arrêté branché en mes téléspectateurs. N'a pas tourné tout de suite. Chaque jour dans la vie, vous pouvez faire un choix. Mais c'est vous qui pouvez faire un choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec une machine agricole qui est plus performante. À développement plus route qui vous mène en pile. Objectif Lul Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. Lul Mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que vous entreprenez chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, Lul Mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur tout à Paris. Toute machine, l'IPAB jamais la gagne en route. Et l'ICE Patnel à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Caoutchouc sin top tête chat ça yo encore mais pas gamin c'est sale caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous ou besoin de tout côté pour les caposer OK pas oublier top taise. C'est fun wash, chire out, quoi chiclou. Ah, gonji boule m'bajwe. Vendez-moi 4 caoutchoucs. De quel gros cher oulé? Quoi? Top tarot, c'est fun wash, chire out, quoi chiclou. Nous retournons pour nous continuer à informer aux amis téléspectateurs et dernière tranche journal ça Naptan Meli dans l'actualité en sous-plan international pour nous faire connaître Jante Dil dans Grand Titio et bien organisation internationale pour migration déclarée autorité algérienne a déposé plusieurs milliers migrants dans le désert Sahara pendant dernier mois ça yo. Parmi moun sa yo, gen plusieurs femmes, garçons ak ti moun ki lage sans de l'eau ak manger. On suit. D'après l'Organisation internationale pour migration, pendant 14 derniers mois sa yo,
Pour Pipiti, autorité algérienne, ont déposé 13 000 migrants qui sont en Afrique là, dans des déserts Sahara. Mounsayo qui livre à propre tête dans des déserts condamnés pour chercher refuge dans la direction Mali et Niger, côté au pas de l'eau ni manger. Sahara n'a pas de chance avec moun dans la situation Sahara, côté chaque année, il a fait deux fois plus de victimes parce que traverser Méditerranée, quelques parmi migrants yo promené plusieurs jours avant ONG vin pote au secours. Depuis mois octobre, l'Algérie a accéléré l'expulsion suite à la pression de la presse voix bon côté Bruxelles pour gérer la quantité de migrants qui sont dans l'Afrique subsaharienne. Et puis, toujours dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, environ 9 pays européens veulent former un groupe réaction rapide. Objectif groupe SILA, c'est créer un forum qui a la même vision. C'est le ministre allemand défense Ursula von der Leyen qui va expliquer ça. On suit. France, Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Estonie, Portugal, Espagne et Royaume-Uni, c'est 9 pays européens qui voulaient ensemble faire partie d'un groupe réaction rapide. Groupe ça après les initiatives européennes intervention. Un projet pays la France mettait campé pour première fois totalement indépendant de l'Union européenne. Côté ministre défense pays concerné, yo mettait l'engagement sous papier. Idée qui derrière projet ça, c'est constituer un partenariat qui paraît pour intervenir sous plan militaire, mais tout civil dans cas crise humanitaire ou soit catastrophe. Objectif groupe ça, c'est créer un forum qui ait même vision d'après explication ministre allemand défense là, Ursula von der Leyen. Groupe ça pral analyser situation yo et puis tamen discussion yo d'avance, les crises dans un pays pour arriver ensemble faire évaluation yon volonté politique. Ministre français à Florence Parly, bon côté pas cité exemple opération Serval dans pays Mali, côté la France t'est intervenu pour contre li dans l'année 2013 pour bay aide pour contrecarrer expansion djihadiste yo. Et puis moment ça, c'est moment pas tout fanatique football yo, c'est information sur Coupe du monde là qui a venir avec Info Mondial Junior pral poté pour nous. On suit. Journée mardi 26 juin 2018, la groupe CA était au rendez-vous. Deux matchs ont été joués simultanément. D'abord dans le stade en Luzhniki à Moscou, Danemark fait match nul avec la France en 0-0. C'est le premier match nul sous score vierge qui réalisé pour 21e édition Coupe du monde ça. Yon l'autre côté dans le stade en Sochi, Australie rencontrait sélection péruvienne nan. André Carrillo, âgé de 27 ans, ouvre score dans 18e minute de jeu. Dans la deuxième partie rencontre Silla, capitaine Paolo Guerrero doublé mise pour Encasio dans 50e minute dans match Silla. France-Danemark, c'est deux équipes Sao qui qualifient pour 8e de finale. N'a pas rappelé, la France premier avec 7 points, Danemark deuxième avec 5 points dans poule ça. Même Jean à groupe CA, groupe D a tapé journée mardi 26 juin 2018 là à 2h dans l'après-midi. Nigeria contre Argentine dans stade dans Saint-Pétersbourg Arena, un match qui était annoncé en pile suspense surtout bon côté Albi Celestia. Attaquant vedette club Barcelona ouvre score lent pour équipe li et marqué première réalisation li dans compétition ça dans 14e minute de jeu. Victor Moses son coup de pied de réparation pas tremblé pour égaliser pour équipe li dans 51e minute de jeu. Marcos Rojo sur une frappe 86e minute de jeu touye espoir africain yo. Islande bon côté Pali tape essayer force li à Croatie dans même l'heure. Dans stade Rostov Arena qui gagne une capacité de 45 000 spectateurs. Milan Badelve milieu de terrain Fiorentina qui libre du contrat ouvre Maclan dans 53e minute dans match là. Islande yo pral égaliser sous penalty par Sigurdsson 76e minute de jeu. Ivan le terrain Koratlan doublé misant et permettre équipe li bat 2-1. Croatie premier à 9 points, Argentine deuxième à 4 points dans groupe D Silla. Tous deux équipes sa qualifié pour 8e de finale. Samedi 30 juin 2018, France Argentine à 10h dans stade Kazan, Croatie Danemark à 2h dans stade Novgorod. Travail construction route Carrefour Méridien du 6 dans le département sud reprend. Équipement technicien CNEO mobilisé pour remettre pressé 700 mètres route asphaltée dans le jour Cap Vinilayo.
Banque Interaméricaine Développement présenté mardi 26 juin, bilan sous participation à collaboration yo dans Caravane Changement, sorti octobre 2017, rivé juin 2018. Représentant résident Bidlan en Haïti, Luis Cordo Echebarria, dit yo satisfait pour collaboration yo avec Haïti. Ministère Environnement, en tête collé avec Programme Nations Unies pour Développement PNUD, lancé mardi 26 juin, y a un atelier information sur accès dans fonds verts pour climat. Commission nationale marché public réalisé jeudi à dans Port-au-Prince, y a un atelier travail pour plusieurs groupes dans l'administration publique. L'atelier s'est fait dans l'idée pour présenter et puis habituer acteurs qui impliqués dans passation marché sous Mézi tout neuf qui prend nos affaires marché public. Organisation internationale pour migration déclarée autorité algérienne a déposé plusieurs milliers de migrants dans le désert Sahara pendant dernier mois sa yo. Et puis pour finir, ancien président général Henri Nanfi mouri jodi a, d'après information proche li confirmé, général l'an mouri à l'âge 85 ans après une maladie li tap supporté. Merci tout le monde qui te suive deuxième sortie journal l'an pour semaine ça en présentation en cité liné là. N'a remercier toute équipe l'an qui t'est mobilisée pour te river en ni possible. Et puis, nous souhaitons toutes une très bonne fin de soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.